Salut, c'est Dorzio pour les tests sur le HTC One X. Aujourd'hui, j'ai voulu un petit peu faire une petite aparté sur la pochette officielle HTC. Celle-ci est très bien conçue et donc j'ai voulu en parler si vous cherchez donc une idée pour protéger votre HTC One X. Alors, elle est en deux matières, en cuir sur le dessus, en plastique sur le dessous. Plastique étant souple, hein, regardez. Voilà, vous voyez, je peux le plier facilement. Alors, vous voyez ici donc l'ouverture pour l'appareil photo, ici une ouverture pour les touches du volume, l'ouverture ici et là dans le cuir pour pouvoir mettre la prise micro USB et recharger votre mobile, et bien évidemment ici l'ouverture pour laisser sortir le son Beats correctement. Alors, vu que la pochette est en plastique souple, hein, regardez, hop, ça se lève facilement, je peux donc y glisser le portable facilement avec un doigt. Voilà. Pochette est mise. Donc vous voyez, hein, elle fait très classe, elle est très fine, elle est très légère. Du coup, la sensation du portable oublié dans la poche se fait toujours ressentir, même s'il est habillé avec cette pochette. Donc ça fait un peu classe quand même le coup de l'ouvrir comme ça, hein, c'est sympa. On retrouve ça aussi pour les modèles de téléphones concurrents, hein. Et le petit plus de cette pochette, et que j'ai trouvé vraiment ingénieux et ce qui m'a séduit totalement, c'est qu'on peut, et ben voilà, placer son écran comme ceci. Vous voyez, la pochette se plie facilement. Et du coup, on peut regarder un film tranquillement. Et on peut incliner le mobile un peu de la façon qu'on veut pour pouvoir regarder le film correctement. Voilà, j'espère que ça vous aura donné une idée de la pochette officielle HTC. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Salut!